Et maintenant, nous avons Emmanuel Macron, qui est un acteur de théâtre, totalement insensible aux émotions des autres. En général, c'est pas nouveau. Il n'a aucune sensibilité, Il n'a pas d'empathie, selon vous. aucune empathie, absolument aucune, et qui prend sa jouissance en choquant les gens. Voilà. Donc, c'est de mal en pis. Donc, peut-être que dans 4 ans, on élira la bonne personne, mais si nous ne changeons pas nous-mêmes, on va élire pire la prochaine fois. Est-ce que la démocratie est pas malade en définitive. Emmanuel Macron a été élu avec entre 25 et 30% des Oui, inscrits. Est-ce que non. Thierry, c'est encore ça, la démocratie? Mais il ne peut pas y avoir de démocratie aujourd'hui. Ce n'est pas possible. Parce que une des conditions de la démocratie, c'est que les électeurs soient à égalité. Aujourd'hui, il y a des différences de niveau de vie entre le bas et le haut de l'échelle que l'humanité n'a jamais connues à aucune période de son histoire. Jamais on a vu ça. Absolument jamais. Donc, la manière dont fonctionnait la démocratie, ça ne peut plus marcher. Je ne sais pas ce qu'il faut mettre à la place.